La formation Bianco Blue entré en zone et agressé le gardien Tim Wolf, encore relancé. Et justement, c'est le capitaine en personne pour son anniversaire qui s'offre l'ouverture du score. Michael Fora pour son deuxième but de l'exercice. D'un missile de la ligne bleue. On le sentait presque venir hein, depuis 3-4 présences sur glace, c'était compliqué. Et là, Wolf ne peut strictement rien faire dans l'ambiance que vous imaginez forcément ici. Hein. On a trouvé un public en fil numéro. Je dirais Grassi. Oui, c'était Daniele Grassi. Avec une chance derrière, c'est l'égalisation du HC Ajoie. Et Maxime Fourquier qui paye finalement le choix tactique de Gary Chian de le promouvoir dans la ligne avec De Vos et Schmutz pour l'égalisation jurassienne, alors que derrière quelques secondes auparavant, Ambry avait clairement le puck du 2-0. Et regardez, travail de récupération, Schmutz qui a besoin de cette confiance parce qu'il a un début de saison quand même plus compliqué, Reto Schmutz, et on sait que le joueur est talentueux de tout ce qu'il a démontré. Qui c'est bien fait pour trouver Bourin qui se met sur le bon côté, le lancer de Bourin, un rebond, le puck qui est au fond. Alors difficile à dire comment il est rentré celui-là, mais la tribune derrière Tim Wolf s'est empressée de lever les bras et c'est Elias Bianchi qui va être crédité de la réussite. Son premier but de la saison à Bianchi, mais Bourin, on l'a trop laissé faire. Et Pouilly derrière ce puck, il doit le dégager tout de suite. Là, c'est encore des erreurs de jeunesse pour Mathia Pouilly. Regardez, là, il essaie de le contrôler. Et c'est clair que derrière le numéro 20 d'Ambry arrive lancé et bien décidé à pousser ce puck au fond. Il le fait juste, il le met au bon endroit. Tim Wolf ne peut pas grand chose pour battre Benjamin Cohn. C'était bien fait de la part du natif de Montréal. Il y a De Vos de l'autre côté, De Vos qui est seul, Fourquier, et 2-2, égalisation du HC Ajoie sur cette séquence en deux temps de la part de la troupe de Gary Chian, et Maxime Fourquier s'offre le doublé ce soir sur un service, on va dire, offert par Monsieur De Vos, mais la passe de Schmutz fait aussi la différence. Il est allé travailler pour récupérer ce puck. Il faut mettre du crédit à tous les joueurs qui ont travaillé pour amener ce 2-2. C'était la première occasion, justement. C'est pour ça que je vous disais en deux temps ce qu'il s'est passé derrière. On a fait n'importe quoi là dans la sortie de zone côté tessinois et on en paye clairement les conséquences. C'est le numéro 20 d'Elias Bianchi, faire bouger ce triangle défensif à Julo. Le tir, et c'est dans la lucarne. Dario Burglaire qui offre le succès à Ambry sur la deuxième situation en jeu de puissance. Je vous l'ai dit, ces pénalités peuvent faire mal à Ajoie qui a, dans l'attitude, livré une prestation solide, convaincante. Je laisse les spécialistes en discuter. Mais Ambry semblait mieux armé dans ce troisième tiers et ce début de prolongation pour espérer un succès, un nouveau succès à domicile et s'offrir deux points dans cette soirée. Le HC Ajoie n'était pas loin, messieurs, dames, de signer un deuxième succès consécutif aussi. Ça ne tient pas grand chose des fois, mais dans l'ensemble, Ambry a quand même livré un match mieux que des Jurassiens qui ont perdu quand même beaucoup d'énergie hier soir, qui ont tenu, qui ont frustré.